Belle récupération de Simon Mbouba avec un bon ballon cette fois dans les pieds d'Alexandre Arenate. Il cherche du soutien, que va-t-il faire? Arenate encore, il va centrer pied droit, c'est excellent, deuxième poteau. Et personne malheureusement à la réception. Simon, encore une fois de la tête, omniprésent depuis le début de cette partie, excellent centre cette fois-ci, il faut la mettre dedans. Et cette tête à nouveau non cadrée, mais ça se rapproche, ça se précise. Mehdi Lazare sur son flanc, premier crochet et un centre immédiat au premier poteau. Jean-François Mbouba qui n'arrive pas à couper cette trajectoire, mais c'était cadré. 22 minutes de jeu dans cette rencontre. Raoul Ngadrira, idéalement placé pour son pied gauche avec ce coup franc. Ngadrira en retrait, on ne s'est pas compris avec Lazare, quel raté. En force cette fois-ci, Ngadrira, que va-t-il faire? Frapper, être accroché, Simon qui arme, c'est superbe. 33 minutes de jeu, nouveau coup franc intéressant pour Virton. Jérôme Simon derrière le ballon, quelques petits pas, et une frappe pied droit qui rebondit devant le gardien, qui la capte en deux temps. Ngadrira qui passe, il doit centrer. Et une nouvelle fois, une tête qui va pouvoir la reprendre, et un contre chanceux, enfin, pour Jean-François Mbouba. 35e minute de jeu, Virton qui trouve enfin la faille dans cette partie, 1-0. Mbouba qui aurait pu frapper, Simon il va armer. Et ce tir qui passe au-dessus. Ngadrira, il faut accélérer, c'est parti. Flanc droit, Mbouba, il doit aller au bout. Que va-t-il faire? Pied droit, un centre pour personne, décidément. Ngadrira, contre-favorable. Il a tout le temps de centrer et d'ajuster. Bon ballon pour Simon. En un temps, l'intention était là. Ngadrira, un bon ballon vers Lazare, qui doit accélérer. Lazare. Encore, il attend du soutien, il n'en trouve pas. Excellent ballon extérieur du pied. Et un ballon dévié, devinez par qui? Jean-François Mbouba. 62e minute de jeu. Et on revoit cette action avec cet extérieur du pied de Mehdi Lazare. Et Jean-François Mbouba qui dévie pour la mettre au fond. Raoul Ngadrira, le milieu de terrain, il est derrière lui. Il peut écarter vers Lazare. Mehdi Lazare dans le rectangle, que va-t-il faire? Il va armé, et non, il s'en mêle les pinceaux, occasion manquée. Dupierret avec un ballon bien loin, Mbouba, ça va passer, il est en zone de conclusion, Mbouba, que va-t-il faire? Il va la toucher. Ouh là 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 là, ça passe de très peu à côté du poteau. Jean-François Mbouba, 72e minute de jeu, et le troisième but qui est passé de peu à côté. Mbouba qui laisse filer, c'est bien vu, on laisse l'avantage, Mehdi Lazare face au gardien. Excellente intervention du porté du patron SZ Mas Mekelon. Bon ballon intercepté par Arenate qui écarte vers Jean-François Mbouba pour le troisième peut-être avec ce tir. Illusion d'optique, on y a cru, mais ça passe dans le petit filet. Ngadrira qui garde la maîtrise du ballon, il est parti, il a 4 joueurs autour de lui. Ngadrira, il arrive à centrer, un ballon dévié in extremis. Et voilà, c'est sifflé, Hot qui arme, c'est bien cadré. Mais face à un Jordan Dupierret de cette qualité-là, il fallait tirer autrement. Victoire au petit trot de Virton, 2-0 face au patron SZ Mas Mekelon.